Dis-moi mon petit pof. Ouais. Est-ce que tu es allé sur le WordPress que je t'ai créé? Je t'ai allé sur le WordPress que je suis créé. Non, j'y suis allé, oui. Ouais, J'ai beaucoup de mal avec le français, excuse-moi. t'as beaucoup de mal avec WordPress aussi, vraisemblablement, non? J'ai J'ai pas vu pas que tout t'avais fait beaucoup compris, de ouais. modifs en fait. Non, mais non, j'ai juste regardé en fait. Tiens, tu vois, je t'avais créé typecast.unpeuchose.fr. Ouais, j'ai trouvé le site pas mal, moi. Ouais, enfin t'as rien fait dessus quand même, hein. Bah ouais, mais c'est parce que je le trouvais beau, j'avais pas envie de tout casser. Oui, enfin déjà tu peux pas casser grand chose, d'accord? Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va se loguer, d'accord? Vas-y, Alors, comme moi je connais l'adresse, tu vois, je fais wp-admin, tu vois, parce que, voilà. wow. Hop, oh, c'est là, c'est beau. Et ouais, faut que je me log. On va voir ton mot de passe, non? Non, Il on y a va des pas voir petits. mon mot de passe. Si, ton mot de passe c'est ron 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 Ah oui, d'accord, ouais. Bon, et eh ben écoute, on va créer un nouvel article. ron. Ok. D'accord? Juste histoire que je te montre rapidement. Tu vois, c'est pas hyper compliqué ici. Tu as le titre de ton article. Donc par exemple, on va dire test de la tondeuse Mais je le trouve où ce truc pour rajouter un Honda article? S2000. D'accord? Bon, c'est une voiture, mais on s'en fout. Mais t'as cliqué où pour aller là-dedans? J'ai cliqué, tu as vu, sur article, nouvel article. Bon, on va Ajouter. refaire. On va refaire. On va refaire D'accord? parce que t'es allé un peu vite. Ok. Donc, Alors, quand t'arrives je là, suis allé sur ici parce que sur là il y a plein Admin. de trucs, moi j'ai été perdu tout de Voilà, tu suite. vois, donc tu vas sur l'article Ouais. ici et tu fais ajouter. Ok. Tu peux aussi faire de suite un article ici, mais c'est la merde. Je te conseille de faire directement sur article et D'accord. ajouter un article. D'accord? Donc ici, tu vas faire Ok. test de la tondeuse. Cool. Allez, hop, hop, si, Ça voilà. ressemble à un numéro de tondeuse, Ça ressemble à un effectivement. numéro de tondeuse. Elle est jolie. Elle est belle. Ça, c'est une review pour une tondeuse incroyable. Voilà, donc ça c'est le test de la tondeuse. D'accord? Bon Ok. là on parle juste d'un article, on n'est pas encore dans le podcast, mais voilà. Bon maintenant il faut que tu trouves une image de tondeuse. D'accord? Alors on va faire ce que n'importe qui te dira qu'il faut surtout pas faire. On va aller sur Google Images piquer une image. Ok, Bah pourquoi attends, faut je pas suis le con. faire? Parce que pour des questions de droit et d'éthique et de on s'en fout. Voilà, il y a une jolie tondeuse. En plus d'images pour tondeuse. Voilà, ici il y a une jolie tondeuse de Wikipédia, donc du coup c'est libre de droit, tu peux y aller. Donc tu fais, bah à la limite tu enregistres l'image tant qu'à faire. Ça évite de piquer. En fait, si tu récupères l'adresse de l'image, tu vas aller pomper la bande passante de Wikipédia. C'est pas Et bien. c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Donc on va D'accord. l'enregistrer dans Et si, téléchargement. en Elle plus, est s'il là. modifie l'image, du coup, ce sera pas forcément la même. Voilà. En plus. Donc tu vois la tondeuse, elle est là. Elle est Donc enregistrée. elle est enregistrée. Tu fais. Donc on va fermer parce que ça va me faire chier. Voilà. Tu fais ajouter un média. Ok. Va pas trop Ensuite, vite. Va pas tu trop vite. envoies des fichiers. Ok. D'accord? Et Tu c'est as la quoi tout le bibliothèque reste de là? médias, où là tu auras les médias que tu as déjà envoyés en fait. Ok. Mais là pour l'instant il n'y en a pas, vu que ton site il est tout neuf. Tu fais envoyer des fichiers. Du coup tu fais sélectionner des fichiers. Tu peux Ouais. faire des glisser-déposer, mais là j'ai la flemme. Hop, oh regarde la magnifique tondeuse. D'accord. Tu fais ouvrir. Tu vois là ici c'est en train de Ça s'envoyer. va vite. C'est magique, c'est beau. Par contre, là, ça bouge plus. Oui mais ça met un peu de temps. Voilà. Et là maintenant Il tu y vas a une regarder autre sur le tondeuse. côté. Ok. Il Tu peux lui y a laisser plein le de trucs. titre, la légende, le texte. En général, on s'en fout. Tu veux juste avoir une image dans ton article, hein, c'est tout. Ouais. Ensuite, l'alignement. Tu peux décider du coup de l'aligner à gauche, au centre ou à droite. C'est-à-dire que dans ton article, elle va être C'est la plus d'un fin. Ouais, côté, donc plus de c'est la l'autre mise en ou au page. milieu. Voilà. On va l'aligner à gauche, par habitude. Ici, lié à. Alors, tu peux décider de le lier au fichier lui-même. C'est-à-dire quand C'est-à-dire. les gens cliquent sur l'image, ils peuvent voir l'image en plus grand. Ok. Tu peux le faire, on s'en fout. Page du fichier attaché, bah justement, ça envoie sur une page qui ne présente que le fichier. C'est l'option la C'est-à-dire une plus image. merdique que tu puisses avoir, d'accord? Donc on s'en Pourquoi? fout. Parce qu'en fait, autant quand tu cliques sur l'image, ça t'affiche l'image dans ton navigateur, c'est intéressant. Ouais. Autant afficher une page qui contient l'image dans la page, j'ai jamais compris l'intérêt. Mais bon, peu importe, tu peux le faire, hein, mais je vois pas l'intérêt. Un lien personnalisé, c'est-à-dire qu'en fait, l'image, elle va permettre de renvoyer vers la boutique, par exemple. Mais je vends pas de tondeuse. Oui, mais la boutique du vendeur de tondeuse, comme ça tu peux te faire du fric, par exemple, si c'est Ah, un ok. lien avec, Bon, c'est pas un idiot, ouais. compteur et tout. Et sinon, aucun, ce qui fait que quand les gens passent la souris dessus, il ne se passe absolument rien, et on va faire ça, d'accord, dans un premier temps. Parce qu'on n'a pas besoin de. Parce que voilà. Alors après, tu peux décider de sa taille, soit une petite miniature de 150 par On peut la 150, changer soit une après? taille moyenne, soit une grande. On peut la changer après. Tu peux la changer après, mais bon, on va prendre une moyenne, parce que après grand, ça commence à faire sacrément grand quand même, parce que c'est juste pour illustrer, d'accord? D'accord.
Voilà. Et donc, tu vois, ça va donner à peu près ça. C'est magique. Voilà. Alors, ce que tu peux faire, c'est enregistrer le brouillon, Ah oui. juste histoire de ne pas le publier tout de suite. Tu vois que si je vais sur le site, alors que j'ai enregistré, il n'y a toujours pas l'article. Il y a toujours l'article de base, bonjour tout le monde. Ouais. Et donc, tu peux aller voir un petit aperçu de ta page. Voilà. Et donc, ça va donner ça. Là, tu as le titre, tu as le machin, tu as le. C'est magique. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on crée un article et qu'on rajoute une image dedans. Ensuite, si tu veux le publier, évidemment, tu cries. Tu cries. Publier! Non! Tu C'est comme cliques Kinect sur en fait. publier et là, tu vois que si je rafraîchis, hop, tu vois, ben, tu as le test de la tondeuse qui apparaît Ah, ça a au-dessus de tout changé l'article. comment c'était affiché d'ailleurs. Ça a tout changé C'est par rapport à plus ça? les mêmes couleurs. Non, c'est plus les mêmes couleurs en Non, fait. c'est les mêmes couleurs. Ah, d'accord. C'est moi alors Ouais, qui. non, c'est toi qui craques. Alors, bon, C'est possible. faire un article, c'est chouette, d'accord? Ça intéresse votre chien d'ailleurs. Avoir un article qui est dans un truc qui est un peu moins moche, c'est mieux, non? Ben non, mais moi j'aime bien ça, je trouve ça beau. On va dire que t'aimes pas. D'accord. D'accord? Donc, du coup, tu reviens sur ton truc, là, tu vas sur apparence. D'accord. Tu vas sur thème. Oui. Et là, dans les thèmes, tu vois, surtout que là, c'est peu de choses qu'il a créé, donc du coup, tu as plein de thèmes déjà préenregistrés. On va en Parce que prendre sinon, c'est un. pas le cas. Bah, sinon, il y en a quelques-uns, tu peux aller les installer et tout, mais là, on va faire simple dans un premier temps. Même si Donc on va déjà, on va aller utiliser loin. ceux qui sont déjà préinstallés chez peu de choses. Voilà. Donc, 2011, d'accord? Parce qu'il est sympatoche. Mais on peut en utiliser un 2011, autre. c'est le thème de 2011 alors. C'est ça, exactement. C'est le thème de l'équipe WordPress de Mais 2011. il est vieux. Ouais. Donc, tu peux prévisualiser ce que ça va donner pour ton truc. Donc, tu vois que ça va donner ça. Ouais, c'est plus sobre. C'est un peu plus sobre. Tu peux utiliser un autre thème si tu veux. Il y a par exemple celui-là, Responsive. On va prévisualiser ce que ça donne. Ouais. Voilà. Mais apparemment, ils Ouais, n'ont pas de vraie prévisualisation. ouais, Donc, parce que c'est ça chiant. affiche pas le. Non. Sinon, bah attends, on va tester celui-là. Je sais pas Celui-là il est pourquoi. pas sobre du tout, mais. Non? Mais voilà, ici. Bon, remarque, il est pas si dégueulasse que ça. Ah ouais, ça va. Allez, on va prendre celui-là. Ok. Par principe. Enregistrer et activer. Maintenant, si tu reviens sur ton site. Ouais. Bon, on enlève ça. Hop, voilà. Si tu reviens sur Typecast, voilà, ton Typecast, il ressemble à ça. C'est pas du tout la même chose, C'est effectivement. pas du tout la même chose. Donc on peut tout changer l'apparence juste avec un thème. Exactement. C'était ça C'est que je voulais te magique. montrer. C'est Donc après, superbe. comment se servir d'un thème? Quel thème va mieux pour toi? Quelles sont les options du thème? Là, faut que tu lises la documentation des thèmes en général, ça sera plus simple. Ou tu demandes à un pote. Mais voilà. Là, je vois qu'il y a marqué option. Lise à options. Voilà. Par exemple, sur celui-là, tu as les options de bah, le logo, quel logo tu vas mettre. Là, tu vois, tu rentres l'adresse. Le type de couleur. Par exemple, si on passe en vert, parce que c'est des tondeuses, et que je sauvegarde, hop, normalement, ça devrait passer en vert. Ah ouais, effectivement, ça marche mieux avec l'herbe et tout. Voilà. C'est bien. Donc tu vois, c'est le genre de truc que tu peux régler. Tous les thèmes n'ont pas forcément des options comme ça. Mais voilà. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je te montre. C'est, je sais pas si tu as remarqué, mais tout en haut, là, ici, tu as page d'exemple. Ouais, D'accord? Et tu as home. effectivement. Ouais. Bon, home, le problème, c'est que bah, c'est de l'anglais, quoi, donc c'est pourri. Donc tu vas sur menu. Ici, c'est toujours dans apparence, hein. C'est des menus. Hein. Voilà, et tu crées le nom du menu et tu l'appelles menu parce que c'est ton menu. Tu Ok. crées le menu qui s'appelle Je menu. peux l'appeler autre chose ou. Tu peux l'appeler autre chose, tu peux l'appeler caca, tu peux l'appeler tout ce que tu veux. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter au menu soit la page d'exemple, pour avoir exactement la même chose, ce qui est complètement con, hein, mais tu peux le faire. Et là, tu fais enregistrer le menu, tu reviens sur ton truc, Et ça n'a rien et ça changé. n'a absolument rien changé. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un rapport avec le thème, C'est peut-être? possible que ça a un rapport Peut-être avec que le le thème thème. il marche pas avec C'est possible qu'il marche pas avec le avec truc. ce menu. Ce qui serait complètement con quand même. Ou peut-être que bah, je sais pas si c'est un vieux thème C'est qui est pas pourri. compatible avec tes menus. C'est ça. Lise à options, je pense que c'est là-dedans que tu vas gérer peut-être quel menu tu vas utiliser. Mais tu vois, le problème, c'est que En fait, tous ça dépend les. des thèmes, c'est Ça ça? dépend des thèmes. Des Donc du fois, ça coup, marche pas. un thème que je connais bien, d'accord? Et comme ça, on va revenir dessus, ça va être plus simple. On va utiliser le 2011 de tout à l'heure, qui était sobre, tout ça. Et que je ne Excusez-moi, je me retrouve bats plus. avec mon chien pendant ce temps. Voilà. Hop, je vais activer le 2011. 2011. Et lui, ça marche avec le menu. Et lui, ça marche un peu mieux. Voilà. Donc. Il y a toujours marqué page d'exemple et tout. Ah oui, parce que c'est ce que tu as mis dans le thème, Alors. dans le menu. Oui, c'est à peu près ce que j'ai mis dans le menu. Hop. Alors du coup, dans le menu, il y a autre chose, je sais pas. Et bah écoute, Quand on voit la différence. on va rajouter un lien, par exemple, vers peu de choses. Allez. Mais je les Et connais pas, moi, ces mecs. Pas de choses.
et tu l'ajoutes au menu. Voilà. À part que, à la place de éléments du menu, hein, Et puis, tu vas l'appeler pot de peut-être choses. qu'il faut mettre quelque chose. Parce que t'as mis pas de choses, point rien. Ah oui, merde, effectivement, .fr. Merci, heureusement que t'es là. Enregistrer. Parce que bon, ça quand même, je maîtrise, tu vois, les adresses internet. Et ça marche toujours pas. Alors, du coup, pourquoi ça marche pas, Phil? Quoi? Pourquoi ça marche pas? Parce que, comme d'habitude, ça me casse les couilles et que je sais plus où on est censé dire que le menu est utilisé en fait. T'as un truc, gérer les Emplacement emplacements. du thème, voilà ici. Ah, Menu menu principal. principal. Ah, il y a des Voilà, petites c'est ça. subtilités en Et je te fait. jure que à chaque fois ça me fait le coup. Du coup, c'est Voilà. compliqué quand même. Bah du coup c'est un petit peu compliqué WordPress. Et là tu vois que dans l'absolu, déjà qu'on connaît, Faut connaître un on a peu du quand mal à même. s'y retrouver. Mais il y a énormément de tutos sur WordPress sur YouTube. Il y a une grosse communauté Il y donc. a une énorme communauté. Tu tapes ta question dans Google. Comment changer mon menu machin? Tu peux même la taper en français. Franchement, tu trouveras. Regarde. Par exemple. Comment Ça marche. personnaliser mon menu WordPress 2011. Voilà. Changer la couleur du menu. Des hacks, construire son thème, changer la couleur de nouveau, personnaliser un thème. Voilà. Ouais, il y a plein de. Personnaliser un blog WordPress, t'as un tutoriel vidéo, créer une home page personnalisée. Voilà. Je veux dire, tu as 20 milliards de réponses possibles, tu as 20 milliards de sites qui L'internet. expliquent, c'est Internet. Voilà. C'est Donc en fou. gros, ça c'est un petit aperçu de WordPress. Alors, Ça m'a l'air compliqué. pour ce qui est de la personnalisation, d'accord, c'est un petit peu compliqué. Mais tu le D'accord? fais qu'une fois en théorie. Voilà, tu le fais qu'une fois. Pour ce qui est de créer un article, franchement, Ça c'est va, hyper simple. ouais, c'est vrai, c'est pas Hein, trop. t'as le titre, le contenu, pour ajouter une image, ajouter un média, ça passe. Et après, il y a un truc format à droite là. On s'en fout. On s'en fout. Franchement, on va dire qu'on s'en bat les couilles, mais bien bien, quoi. Hein, d'accord? Toi, tu veux juste écrire un petit peu de texte, rajouter une image, et tu veux peut-être rajouter ton podcast, non? Ouais. Allez, on va rajouter le podcast. Tu vois, Maintenant, à tout de ici, suite. ouais. Parce que tu vois, dans PodPress, là, enfin, dans le côté, tu vois, t'as un truc PodPress. Ouais, Ça, c'est moi qui te l'ai c'est. rajouté. Ah, c'est pas de base. C'est pas de base. Si tu veux le rajouter, c'est pas hyper compliqué. Hein. Tu vas sur dans les extensions. Ouais. Ici, là, juste en dessous d'apparence. Tu vas sur extensions installées. Et tu peux chercher soit parmi les extensions installées, soit si tu es admin. Ouais. D'accord? Tu peux Installer installer toi-même. des extensions. D'accord? Et Mais toi, c'est t'es pas compliqué ou admin pas parce de que les t'es chez installer? Potechose. Quoi? C'est compliqué ou pas de les Ah non, installer? non, juste tu recherches et puis c'est un peu. Tu vois, par Tu exemple, cliques si là sur installer. je voulais activer. D'accord? Tu cliques sur activer, sauf que là au lieu de activer, c'est installer. Ah Et d'accord. après, ça te propose d'activer automatiquement et tu as une recherche parmi toute la base des extensions de WordPress. Voilà. Et donc, du coup, dans PodPress, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Feed et iTunes Settings. Ça a l'air compliqué là aussi, hein. Ouais, là, c'est un peu la merde, mais encore une fois, soit tu demandes à un pote de te le configurer, soit tu regardes là ce que je vais faire. Ok. Le sous-titre, d'accord, c'est en gros, soit ta catchline, Ok. d'accord. Par exemple, tu peux couper tes notifications, c'est un peu chiant. Et Oh. Excuse-moi, je suis un homme soit occupé, un j'ai beaucoup petit, de notifications. soit une petite description, genre un podcast sur les tondeuses. Un podcast sur les tondeuses, tout à fait. Parce que c'est un podcast sur les tondeuses. Par exemple, d'accord. Là, par contre, tu peux utiliser un peu plus de mots pour le sommaire, d'accord. Donc c'est un podcast sur l'ensemble de la gamme, blablabla, d'accord, on s'en fout. Ici, tu peux changer ton image. Bon, du coup, pour ton image, il faut qu'elle soit Faut une quelque, pochette. faut que t'aies une pochette et il faut qu'elle soit quelque part, d'accord? La technique pour faire ça, c'est que tu vas dans les médias, tu fais ajouter Et t'ajoutes un média. et En tu fait, c'est la même sélectionnes. chose que quand tu rajoutes C'est une la même chose, image. sauf que là, il n'y a pas d'article associé. Ah Juste, d'accord, tu c'est envoies une juste envoyer image une image à à part. part. Tu peux la rajouter dans un article et tu la récupères dans la bibliothèque qu'on a vue tout à l'heure. Ah ok, d'accord. Donc ça, Mais c'est pour gérer la bibliothèque en fait. voilà. Et Mais du donc coup, tu on vas l'avait déjà sur. envoyée cette Oui, image mais ou on s'en pas? fout. Là, c'est juste que là, ici, Elle était donc une déjà fois dans que la j'ai fini de bibliothèque? l'envoyer, d'accord, Oui. je vais sur modifier ou je clique dessus. Non, je vais juste sur modifier, pardon. Voilà. Et ici, tu vois, j'ai l'adresse web du fichier. Ok. Donc je la sélectionne, je fais copier. Ensuite, je reviens là et je fais coller. D'accord. Et je fais entrer. Donc c'est ça l'astuce Et une fois que je fais entrer, t'as vu, hop. Ah. Alors le mieux, c'est avec une image carrée. Tu vois, parce que sinon ta tondeuse, elle est un peu écrasée. Mais peu Effectivement. importe. Ici, eh ben, tu vas mettre Pof le jeune. D'accord? Parce que c'est l'auteur. D'accord. Les mots-clés, eh ben, tu mettras les mots-clés qui correspondent, hein, comme n'importe quel Tondeuse. putain de mots-clés. Ici, tu choisis tes catégories. Donc l'éducation, hein, parce que bien que tu veux éduquer les gens à la À la tondeuse. tondeuse. Les hobbies, d'accord? Et parce que les gens, ils aiment bien. Et la santé, parce que tailler les haies, c'est la santé. C'est beau. C'est bien connu. Alors, est-ce que tu as l'intention d'utiliser des gros mots?
Bah oui, parce que c'est putain de belle tondeuse quand Ok, même. donc tu es en explicite, là, tu me laisses en no, là ici on s'en fout, et là tu le laisses en disable. Ok, ça c'est ton flux. Ça c'est l'adresse de D'accord. ton flux. D'accord? Et tout Ensuite, ça, c'est là quoi? tu as de nouveau des trucs à régler. D'accord? Et c'est la même chose, tu vois ici l'adresse de l'image. Hop, on fait ça, on fait entrer, ton truc. Hop, ça rafraîchit évidemment parce que ça fait chier. Tu décides que La tu es langue. en français. Ouais, parce que je suis en français. Voilà. La catégorie, tu t'en fous. Tu peux mettre une catégorie, mais là on s'en bat les couilles. Ici tu peux changer ton copyright. Là ici tu peux décider que tu es en Creative Commons. Voilà. Bref, Ou autre toujours chose, est-il, ouais. ce qui est intéressant c'est cette adresse-là. Typecast.podchose.fr/feed/podcast. C'est ça l'adresse de ton podcast. D'accord. Le problème c'est que si un jour tu changes de site, cette adresse ça va changer. Donc C'est il faudra vrai. que tu préviennes iTunes. C'est un peu compliqué, mais voilà. Mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Mais c'est emmerdant de devoir le faire. Donc voilà, ça c'est ton truc. On va sauvegarder les options. Parce que Il y a voilà. plein d'options quand même hein, là-dessus. Voilà. Et maintenant, quand tu crées un article. Ah bah attends, je suis con parce que tant qu'à faire, on va aller voir les articles et on va modifier l'article de la tondeuse et on va rajouter l'épisode. Ah t'as vu qu'il est encore en brouillon celui qu'on a. Ah oui, qu'on avait créé Ah en bah tiens, on va premier. modifier celui-là. D'accord. Hop, on va Donc il modifier enregistre celui-là. automatiquement, c'est bien ça. Ouais, c'est pratique. Il enregistre quasiment tout le temps automatiquement. Et là, tu vois que tout en bas, toi, j'ai descendu tout en Ah bas. ouais. Tu as Podpress Podcasting Settings for Post. Bon, en gros, ce qui t'intéresse, c'est ce bouton-là. D'accord? Admediafile. Ici, tu vas donner l'adresse de ton épisode. D'accord, mais j'ai pas d'épisode là encore. Bon, on s'en fout, tu vas donner l'adresse de ton épisode. Donc, du D'accord. coup, si tu le stockes là, d'accord, tu peux décider de le stocker dans ton Ah, WordPress. d'accord. C'est pas la meilleure solution, mais tu peux décider de le faire. Donc, on va sélectionner des fichiers. Et bah tiens, je vais aller sur un truc qui s'appelle Gallifrey, qui est sur le réseau. Et quelque part, je dois bien avoir un petit fichier. Voilà, enregistrement audio.wav. Très très bien. Ouvrir. Ce n'est pas autorisé pour des questions de sécurité. Il faudra que je voie avec l'admin de. Mais bon, imaginons que ça ait marché. C'est peut-être les points .wav qui marchent pas et peut-être que les points .mp3 ils marchent. Eh ben, Parce on que va les tenter. .wav ils sont bizarres. T'en as un. Je Voilà. sais pas ce que c'est mais t'en as un. Ok, on tente. Je suis pas sûr que ça marche non plus. Hein. Cours de traitement, ça a marché. Ah, tu vois. Voilà, donc les points MP3, ça marche. Donc il faudra que tu envoies MP3. Là, pareil, comme pour l'image, c'est le même principe. Tu vas Ah, il y a sur même un modifier. petit lecteur. Il y a même un tout petit lecteur, c'est magique. Tu vas récupérer C'est cool. l'adresse là et tu la donnes à manger à Podpress. D'accord. Ok. Ici, tu vois qu'il y a auto-détecte. Donc là, ça va Ah oui, détecter c'est la magique. taille. Ensuite, magique, non, ça détecte la durée. Ça fait 2 minutes 44. C'est possible. Je J'en te le sais dis. rien. Je connais pas ce fichier. Voilà. Et c'est tout ce que tu as à faire. Ensuite, tu fais Ah, c'est tout. publier. Ouais. Et là, ça va faire un podcast automatiquement. Et automatiquement, dans le flux, donc je t'ai donné l'adresse tout à l'heure. Ouais. D'accord? Le typecast.podchose.fr/feed/podcast, ou je sais plus trop quoi. Et ben, tu vas le retrouver dedans. Et du coup, si tu vas sur ton site. Tu vas voir qu'il y a test de la tondeuse, tu as un petit lecteur. Ah, c'est magique. Voilà. C'est un petit bouton play. Voilà, donc en gros, c'est ça les grands principes de WordPress. Ça Dans m'a les l'air grandes lignes. compliqué quand même. C'est un petit peu Et alors du coup, compliqué. Là, je te montre extrêmement rapidement et mal, très c'est honnêtement. forcément pas de presse? Bah, Ou il y a d'autres non, il y a trucs? d'autres trucs, mais Est-ce franchement, qu'ils sont plus simples? alors, podcasting, on l'a Enfin, qui est le testé plus pendant un simple? temps, c'est pas top. Podpress, il est presque le plus simple, même si c'est hyper compliqué. Ah, et D'accord? moi j'ai entendu parler de Blueberry. Je sais pas honnêtement, moi j'ai utilisé que celui-là et Mais ça celui-là il avait l'air marche aussi bien. compliqué que Voilà, mais de toute WordPress. façon ils sont tous compliqués, c'est des plugins pour un truc qui est fait pour faire du blog et tu fais du podcast avec. C'est pas vraiment prévu pour à la base WordPress. Mais tu vois ça marche, Ouais. c'est accessible mais il va falloir t'y faire un petit peu. D'accord. Voilà, mais je te montrerai d'autres solutions après. C'est juste que là WordPress c'est ce que beaucoup de gens vont te recommander. Donc voilà, je te montre rapidement si toi tu veux vraiment pouvoir personnaliser à mort ton truc. C'est la bonne solution. Ouais, du coup, tu peux faire tout comme Si tu veux. par contre t'as la flemme de faire un site internet, Ouais. je te montrerai d'autres solutions la prochaine fois en fait. D'accord. Voilà. Effectivement, il y a des listes avec des trucs là. Ouais. Ça a l'air complexe. Ouais, ça a l'air complexe, mais t'inquiète, c'est pas si compliqué que ça. Ok. Bon. Et ben. Ah, bah tu vois, je crois qu'on a fini. Ah oui, elle Ça court, elle repart. repart. C'est incroyable. C'est magique. C'est magique.